Hello, j'ai envie de dire nous sommes lundi, mais non, mais avec ces jours fériés là, je suis complètement décalée. On est mercredi, il est quelle heure? Il est 11h24 à midi. Il y a ma maman et Lily qui viennent manger, mais c'est ma maman qui emmène à manger, je sais pas à quelle heure elles vont venir. Là, j'étais en train de faire un petit peu de rangement, je voulais aller à la salle ce matin, mais déjà hier j'avais des courbatures, mais alors là, j'ai des courbatures aux adducteurs, je vous jure, je peux écarter les jambes de ça quoi. J'ai trop mal. Donc bon, je me dis que c'est pas grave. De toute façon j'ai encore largement on est que mercredi quoi, j'ai encore le temps de faire mes séances dans la semaine. J'ai trop mal. J'essaye de m'étirer un peu et tout, mais voilà. Ce soir je suis de nuit, donc je commence à 20h45. Donc du coup là j'ai la journée. J'essaie de me lever un peu tôt. Au début en fait je voulais me décaler, c'est à dire me coucher super tard et me lever assez tard, mais je me suis dit que ça allait être nul parce que j'allais pas pouvoir trop profiter de ma journée, donc j'ai préféré me coucher pas trop tard. Je me suis levée vers genre 9h45 et comme ça je profite de ma journée et je ferai une sieste dans l'après-midi pour être en forme pour ce soir. Voilà. Et bah voilà, là du coup je vais aller emmener les poubelles, très intéressant. Bon, il est 12h35, il y a mon papa qui a passé un petit coup aussi là, mes parents, mes parents et Lily viennent de partir. On a bien mangé, c'était super bon. Du coup il reste une part pour mon copain, il y a un petit dessert, un petit gâteau au chocolat. Du coup ce que je vais faire moi c'est que je vais... Oh mais j'ai trop mal à mes courbatures. Une vraie petite vieille. Oui, je vais relire des petits trucs de stage, genre... J'ai un espèce de planning qu'il faut que je retrouve avec les horaires de la nuit, ce qu'elles font, etc. Relire un petit peu toutes les pathologies parce que du coup ça fait un petit moment que je suis pas allée en stage. Revoir un petit peu tout ça, voilà voilà, pour me repréparer au stage. Je sais pas si je vais faire des fiches parce que je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. Je sais pas à quelle heure je vais commencer ma sieste, mais plutôt je pense en fin d'après-midi. Et voilà, je suis un peu perturbée je vous avoue là, je parce que c'est vu que c'est la première fois, je... Voilà, c'est la perturbation. Bon, je vous aurais pas beaucoup filmé aujourd'hui. Hein. Il est 19h20, genre je me suis réveillée de ma sieste, il devait être 17h et quelques je pense. J'ai dû m'endormir vers 14h30 ou 15h, je sais pas exactement. Là j'ai mal à la tête donc j'ai pris, caché tout ça. J'espère que ça va aller. Parce que bon, c'est vrai que j'ai souvent mal à la tête le soir et genre après ce que je fais c'est que je dors. Sauf que là, comment vous dire que ça va pas être trop possible. Sinon je voulais du coup manger un petit peu avant de partir, j'ai regardé sur le truc, ils disent que leur pause elles le font vers minuit. Mais voilà, je pense que je mangerai juste un petit truc, genre je vais pas manger un plat à minuit alors que du coup j'aurais fait tous mes repas là. Enfin bref, je sais pas trop comment ça s'organise, je verrai bien. Mais ouais, je pense que je vais manger, enfin là j'ai pas très faim donc je... Bref. Voilà voilà, que dire de plus, pas grand chose hein. Hello, enfin oui, c'est parti pour ma première nuit. Avec les courbatures, c'est hyper sympa de marcher. Bon, j'ai mangé en vitesse, j'ai même pas fini mon assiette. Let's go, je vais me mettre de la musique motivante dans la voiture, histoire de me réveiller bien correctement. Et puis voilà, j'espère que ça va aller, je vous raconterai un peu tout ça. Et puis voilà à toutes. Hello, ça y est, fin de la nuit. Bon, ça s'est super bien passé, je suis pas si fatiguée que ça. Voilà, je rentre, bon, j'étais un peu perturbée dans l'ascenseur. Là tout à l'heure j'ai dit aux gens, j'ai dit bonsoir, un peu décaler la fille, bon je rentre, je vais aller me doucher, me coucher et tout ça. Je sais pas si je mange un truc, j'ai un petit peu faim quand même. Parce que si j'attends de me lever ça va faire un sacré beau, sacré moment sans manger. Voilà, à demain. Non pas demain, à tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, bon. C'est assez bizarre du coup qu'on fait des vlogs de nuit parce qu'on a l'impression qu'on s'arrête pas dans les jours. Parce que j'allais dire on est... On est jeudi, mais je vous ai déjà filmé ce matin. C'est un peu bizarre. Donc là, il est 14h30. Je me réveille tout simplement parce que j'ai kiné à 15h30. Donc là, en fait, je vais manger un petit déjeuner. En fait, hier, dans la nuit, j'ai juste mangé genre une sorte de collation, on va dire. Et du coup, là, je vais reprendre le rythme, genre la petite déj. Après, je mangerai un repas. Et comme ça, dans la nuit, je mangerai un... genre mon dîner. Enfin bref, je pense que je vais vous faire une vidéo sur mon stage la nuit, comment j'ai fait, etc. Pour tenir le rythme, comment j'ai organisé mes repas, enfin tout ça.
Là du coup je me mets plus belle la vie, je vais manger un bon petit déj, je vais manger, en fait j'ai plus de bananes pour me faire une grosse crêpe, donc du coup je vais manger 2 œufs à la coque. En fait j'arrive pas, j'ai calculé mon plan alimentaire, enfin j'ai fait plein de recherches, plein de calculs et je me suis aidée. Deux filles sur Insta, si elles passent par là, coucou, diététicienne, coach, nutritionniste, tout ça. Et je n'arrive pas à atteindre mon taux de protéines. Donc voilà. Et j'ai pas envie de prendre les shakers. Bon après j'ai des protéines végétales. Donc je pourrais me faire des petits shakers, des petits trucs. Mais pff, bof quoi. Voilà. Après sinon j'ai genre de la spiruline. Et des petites comprimées. Pour compléter mon apport. Parce que sinon ouais je galère un peu quoi. Genre hier j'étais quoi, on va dire 60 grammes. Et faut que je sois genre entre 80 et 100. Voilà, ça, vous basez pas sur ça, hein. C'est des chiffres pour moi en fonction de mon poids, de ma taille, de mon activité sportive et tout ça. Et me demandez pas non plus trop comment calculer parce que c'est, je peux pas vous dire ça comme ça, c'est hyper compliqué. Bref, je vais me regarder plus belle la vie, manger mon petit déj avec mes petits œufs à la coque, avec un petit pamplemousse et tout ça. J'adore ce genre de petit déj. Et voilà, je vous retrouverai tout à l'heure, je vais aller charger mes batteries. Et voilà. J'ai super mal à la tête d'ailleurs, j'ai eu mal à la tête toute la nuit. Pendant ma nuit. J'ai pris tous les médocs possibles. Donc là, le seul truc que je peux reprendre, c'est un truc qui marche pas très bien. Mais les autres médocs, je peux pas les prendre comme je les ai pris cette nuit. Donc c'est fantastique, voilà. Et les médocs cette nuit n'ont quasiment pas marché, bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Oula, j'étais en couleur. Bref, je vous fais un vite fait petit. Bon, ok, très bien. Il a décidé qu'il s'éteignait. Du coup, là, je filme avec mon téléphone. Je reviens de chez le kiné. Mais l'autre jour, on parlait de flan avec mon copain. Et du coup, ça m'a donné trop envie d'en acheter. Bref, à la base, j'allais juste chez Lidl parce que c'est à côté de chez le kiné. On m'a acheté des bananes. Il y a trop de monde chez Lidl. Donc, du coup, je me suis dit tant qu'à faire. J'ai pas envie de faire la queue pour juste des bananes. Du coup, quand on avait presque plus de produits vaisselle, j'ai pris du produit vaisselle. Comme je vous ai dit, on avait parlé de flans. Du coup, j'ai pris des flans. Il n'y avait pas un plus petit truc, donc bon. Voilà. Et le coup, j'avais trop envie de coquilles Saint-Jacques. Du coup, des coquilles Saint-Jacques. Bon, c'est des trucs congelés, hein. C'est pas le meilleur truc, mais j'avais trop envie d'en manger, du coup. Voilà. Là, je pense que je vais aller faire une petite sieste un petit peu. Enfin, peut-être pas tout de suite la sieste, mais. Me reposer un peu, en plus j'ai mal à la tête. Donc voilà, et puis je vous retrouve plus tard. Peut-être ce soir avant d'y aller. De toute façon, je vais pas trop vous filmer là parce que ça va être pas très palpitant. Je vais pas faire grand chose. Rush, let's go en stage. Je vais pas réussir à dormir. J'ai essayé de me reposer, j'ai pas réussi à dormir. Entre nos émigrés, c'était chaud cacao. J'espère que ça va aller. Alors j'ai pris mes compléments alimentaires burner là de chez Women's Best. Dedans il y a de la caféine et du thé vert pour que ça m'aide à tenir. Voilà, voilà, voilà. Parce que je sais que genre l'autre coup j'en avais pris. En fin d'après-midi et genre j'ai eu trop du mal à dormir le soir. J'étais genre en pleine forme donc je me suis dit que si j'en prenais genre j'en prends deux par jour. Donc si je prenais genre là au repas et que j'en prends dans la nuit, ça devrait le faire. Bon, let's go. Je vais mettre encore une musique motivante pour me mettre dans l'esprit motivation. Et puis let's go et puis je vous retrouverai tout à l'heure. Enfin demain. Hello. Me voilà arrivée dans mon petit garage. Bon, je suis sortie à peine en retard. Mais voilà, deuxième nuit, c'est fait. Je vais rentrer me coucher. Je pense que je vais pas vous revloguer aujourd'hui. Je vais essayer de dormir un peu plus que hier. Parce que hier, du coup, comme j'avais kiné, bah, j'étais obligée de me lever. Voilà quoi. Là, je vais pas. Je vais essayer de pas trop mettre de réveil. Bon, après, mon copain est en repos. Donc. À mon avis, je vais l'entendre et ça va un petit peu me réveiller. Mais bon, voilà, ça s'est bien passé. C'était un peu plus calme qu'hier. Un peu plus speed en fin de nuit. Mais voilà, enfin, de toute façon, je pense que je vais faire une vidéo sur
sur ça parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions et je pense que faire une vidéo c'est ce qui sera plus simple pour répondre à tout le monde. Donc voilà, je fais des bisous et puis je vous retrouverai plus tard pour la suite. Bon les petits gars, finalement je vous retrouve. Aujourd'hui nous sommes toujours vendredi. Hyper résu. Il est 17h47, là j'ai fait mon sport. Je suis en moitié tenue, genre ça c'était mon pige, mais genre du coup je me dis bon allez je reste avec ça, je mets juste une brassière. Ça après je le mets au sale, je regardais le vlog de ma soeur. Voilà, il fait très moche dehors. Du coup là je vais aller me doucher. Mon copain m'avait fait à manger pour 14h, mais du coup genre moi à 14h je mange un petit déj, donc du coup là je vais manger mon repas. Il reste des pâtes qui s'est défait hier soir, donc je pense que je vais emmener ça pour mon stage ce soir. Enfin pour cette nuit plutôt. Enfin du coup pour cette nuit ça sera du coup genre dans la nuit de demain. Bref. Vous avez compris, du coup là j'ai fait du genre cardio 8. Donc là je suis dans la phase genre j'ai froid parce que ma transpiration. Bref. Ceux qui font du sport comprendront. Genre au début t'as chaud, mais comme t'as transpiré, t'es humide, donc après t'as froid. Voilà, donc je vais aller me doucher. Tout ça, tout ça. Au début, j'ai hésité peut-être à filmer des vidéos, mais là, je fais mon sport et tout, il est déjà 18h. Donc du coup, ce sera pour demain. Demain, on va à un concert d'ailleurs. Donc voilà, ce soir, dernière nuit. Mais ce soir, on change de roulement. J'étais un peu deg du coup, parce que mardi, c'était férié. Sinon, je pense que j'aurais fait mes nuits mardi, mercredi, jeudi. Mais du coup là on change de roulement, c'est à dire que je serai pas avec les mêmes filles avec qui j'ai été 2 jours, donc je change d'infirmière. Pourquoi pas hein. Mais c'est bien aussi quand t'es avec les mêmes personnes, comme ça t'as les petites habitudes et tout. Donc là on verra, voilà c'est facile pour l'organisation en fait quand t'es avec les mêmes personnes. Voili, voilou. Bon allons-y, let's go, c'est parti les amis, dernière nuit. The last. Et après 4 jours de repos donc ça fait cool. Un peu la flemme de maquiller, je vous l'avoue. Hein. Pas trop le temps, un peu la flemme. De toute façon, on s'en fout un peu. On sera un peu dans le noir. Hello! Bon, me voilà de retour. Si je suis un peu rangée, c'est que le soleil est en train de se lever. On voit qu'il y a beaucoup moins de monde qui bosse le week-end à l'hôpital. Qu'il y a beaucoup moins de monde qui bosse le week-end à l'hôpital parce que les parkings sont presque vides. Bon, il y a toujours des infirmiers, des soignants parce que. Des services qui sont toujours là, mais genre il y a des hôpitaux de genre 2 semaines, trucs comme ça. Il y a aussi genre des cadres et tout ça qui bossent pas, voilà quoi. Mais ouais, il y a moins de monde. Et voilà, ça y est, les 3 et demi c'est terminé. Et voilà, voilà. Il est 6h52. Il fait 14 degrés, voilà, petite météo du jour. Et je vais aller faire dodo. Bon, je vous refilme, nous sommes donc toujours samedi, les 17h30. Je vous ai quasiment pas du tout filmé. Cette luminosité, là je suis en train de me préparer, j'ai beaucoup dormi aujourd'hui. Là je suis en train de vite fait me cuire des pâtes, j'ai pas petit déj, bref j'ai mangé une banane tout à l'heure vite fait. Je me suis douchée, je me suis habillée, là je suis en train de me maquiller. Faut que je sois prête pour revenir, il m'avait dit mon copain 17h30, c'est 17h30, bref. Catastrophe, ce soir on a le concert de Roméo Elvis, donc là je vais vous laisser. Me dépêcher de me prévoir en vitesse et je vous emmène pour le concert. Voilà, à toutes. Ce soir je m'en fous et ça me fait rien. Le mec qui te m'a copie. Mais je suis un sanguin, fils de pute. Mes techniques s'évadent. T'es jaloux, jaloux. Putain, je suis un fucking jaloux. Je mec qui sait pas, mais je sais tout, je les trouve fort. Écoute pas les mecs, ils sont sympas. Ils ont toujours une idée derrière la tête. Donc ça veut dire au niveau des feux. Je suis un croco jaloux, pour ça je me déteste, yeah. Mais je t'aime encore plus. Comme les mecs dans le star, si tu veux pas me toucher, je suis vrai lourd, la défense un gros soir. Toi, je veux l'amour avec des crocos, le docteur a dit que c'était pas. Faut que j'arrête la zoophilie, les maladies, etc. Allez, gâteau dans le bento, passez-moi ce que tu m'as. Je fais des dupes, j'arrive jamais au bout du rouleau. Je fais l'amour avec des crocos, à vous. Je fais l'amour avec des crocos. Je fais l'amour avec des crocos. Vous êtes fous à Besançon. Les autres sont dans le pogo. Putain. Je connais mieux le vide depuis que j'ai bourré dedans. Cette pétasse fait une story, j'en ai 30 à foutre. Elle
J'aurais pas passé des mois à tuer la course si j'avais d'autres femmes. Mais c'est toi ma raison d'être, la raison d'être, j'ai pris des résolutions. Ça dit quoi après? Je veux que tu pisses sur le sol, je veux qu'on s'épuise sur le dimanche. On va pas finir comme ça fait oh là là. Mon cœur danse la macarena. Cuisine la sauce, mélange la sauce, cuisine la sauce, quoi? Plus fort. La sauce, ouais. Mélange la sauce, ouais. Cuisine la sauce, ouais. Ouais. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Dieu le contraire, Dieu le contraire. Tu craches sur mon tranchant, tu n'as pas été blessé. Zianise le contraire, zianise le contraire. Et en voilà une drôle de question, en voilà une drôle de question, en voilà une drôle de question, une drôle de question. Bébé, bébé, viens à Besançon. Tu verras, ils sont vraiment très chauds. De 15 ans et demi, les salles sont deux fois plus remplies. J'adore faire cette taf, pourtant des faux aussi. Moi je fais la gueule. C'est juste que j'ai jamais l'impression d'avoir accompli. Jamais l'impression d'avoir accompli. Vas-y, Elvis, on oublie tout le reste. On pète une grosse fille, on tous. Quoi? Ça commence par un guesta, ça finit par une débuce. Alors qu'on avait dit qu'on évitait de faire pire que la dernière fois. 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 J'entends rien. Le temps s'écoule si vite comme je te regarde. Mais j'ai bien vu que t'allais laisser. Et forcément j'ai trop de. T'avais pas calculé mes failles. Et tu t'es tout pris dans la face quand on a commencé à se. J'aurais dû fermer. Monter la chaleur. T'avais pas calculé mes failles. Faut profiter du rider et des bouteilles. Je vois pas mais je laisse mes gars se courir. Le contact sera chauveur pour pousser. Je vois pas mais j'essaie de m'enfermer. Quelques paix mais je ne dépense pas. On me paie mais je ne dépense pas. Non je ne dépense pas. Jamais, jamais. C'est des trucs de bobo, c'est du rap de hipster. Vous connaissez rien de ma vie, j'ai des gosses au Kosovo sans passer par Tinder. Hey, 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 hey. Pourquoi vous dites cul, pourquoi vous dabez? Toute ma famille se pose la question. Premier album solo 2019. J'espère que ce vlog vous aura plu, faites des très gros bisous et à plus tard.